Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans une nouvelle bataille de Dynasty Warriors 3. Attaque surprise contre Liu Biao. Donc, ça c'est enfin une bataille du coup qu'on n'avait pas vue. Je vais vous laisser découvrir. Allez, je vous laisse écouter l'introduction. Ensemble, les forces alliées sortent victorieuses face à Dong Zhuo. Cependant, la dynastie Han a déjà perdu tout son pouvoir. Un à un, les chefs alliés rentrent chez eux, complotant en secret d'assouvir leur rêve de pouvoir et d'ambition. Après la défaite de Dong Zhuo, le général Zhou Nian, alors stationné à Luoyang, trouve par hasard le sceau impérial au fond d'un puits abandonné. Apprenant la nouvelle, Yuan Shao envoie un messager à Liu Biao, lui disant d'attaquer Sun sur son retour. Ok, donc je vais corriger le général Sun Jian, pas San Jian, et en plus il a prononcé Zan Jian, je sais pas trop ce qu'il a fait là, le mec. Bref, continuons. Sun Jian parvient de justesse à échapper à l'attaque mortelle de Liu Biao. Furieux, il déclare Liu son ennemi et jure vengeance. Ainsi, en l'an 192, la flotte de Sun Jian met les voiles en direction de Liu Biao. Putain, mais c'est pas possible d'avoir du mal à ce point-là. Sun Jian, déjà, il l'a prononcé au début. Je crois que juste à la fin, il a prononcé correctement alors que c'était mal écrit. Tu sais, c'est vachement cohérent, quoi. Bref. Vous avez compris le truc. Donc, depuis... à l'époque de Hulao, c'était déjà le cas, mais le pays était divisé en plein de petits royaumes. De mini-royaumes disséminés un petit peu partout en Chine. Et ils avaient formé une coalition contre Dong Zhuo. Donc voilà, je ne l'ai pas précisé parce que bon, je n'ai pas spécialement pensé, puis j'en avais déjà parlé dans le Let's Play de Xiaolun après tout. Mais bon, normalement il faudrait que je reprécise au cas où des gens prendraient directement le Let's Play de Sun Jian. On sait jamais, hein, vu la manière dont j'organise mes vidéos, c'est tout à fait possible. Et donc là, Sun Jian qui a trouvé le sceau impérial qui lui permettrait normalement d'accéder au trône impérial et de devenir empereur à sa guise. Il a trouvé donc le sceau impérial. Et Yuan Shao a demandé à Liu Biao de m'attaquer pendant mon retour au pays, dans mon territoire. Donc une petite bataille entre le royaume de Sun Jian et celui de Liu Biao. Alors c'est pas vraiment un royaume, c'est plus... à l'époque je crois que Sun Jian a plus le rang de duc que de roi. Mais bon. Considérons que c'est deux ducs qui s'affrontent. On peut considérer ça comme ça. Allez, c'est parti. Assez perdu de temps. Père, laissez-moi prendre la tête. Ce serait ta première bataille. Je m'attends à de bonnes choses. Occupez-vous de lui. N'ayez pas peur. Une fois à terre, dirigez-vous sur ce fort. À toutes les unités, attaquez le château. L'unité approchera le château par l'arrière. À toutes les unités, attaquez le château. C'est tellement énorme. C'est une phrase culte en fait, carrément. Culte, je le dis. C'est culte. Ah putain. Bref, nous attaquons Liu Biao. Bon, ça va être une bataille pas trop compliquée. Alors je vais commencer vraiment par prendre le contrôle des berges. Salut Chenko. Tout ça pour le sceau impérial, hein. C'est vraiment... Donc l'ancienne coalition, en fait, elle s'est un petit peu... dès sa dissolution, en fait. Alors attention, encore une fois, c'est tel que c'est raconté, hein. Je m'adapte, donc ce n'est pas forcément tel que c'est dans la vraie histoire. Mais la coalition, donc, une fois dissoute, les hostilités ont recommencé directement. Et du coup, Yuan Shao, qui était donc le chef de la coalition anti-Dong Zhuo, a demandé à Liu Biao de m'attaquer.
moi je ne veux pas rendre le soin impérial. C'est hors de question. Ah oui. Parce que Sun Jian n'a pas spécialement l'intention de s'en servir d'une mauvaise façon. Il serait plus en fait pour le redonner directement à l'empereur. Le problème c'est qu'il n'a pas fait forcément confiance à quelqu'un comme Liu Biao ou Yuan Shao. Et il préfère ne pas le remettre entre les mains de Liu Biao ou de Yuan Shao, qui pourrait s'en servir pour ses propres ambitions. Sun Ce, et il y a mon fils qui est dans la bataille. Sun Ce. Parce que c'est sa première bataille. Je m'attends à de bonnes choses. J'ai vaincu un officier. Voilà. Je sais pas où j'ai laissé mon cheval. Probablement au tout début, je m'en rappelle plus. J'ai pas fait gaffe. Ouais, je me suis fait désarçonner par des flèches au début, j'ai pas dû le reprendre entre temps. Techniquement, je suis censé passer par l'arrière. À savoir par ici. Allons-y. Je sais plus s'il y a une incohérence à ce passage-là. Ceux qui ont déjà joué au jeu voient de quoi je parle. On va voir. Seigneur Lou, retirez-vous. What the fuck? Seigneur Lou, retirez-vous. Courez alors après, qu'aucun n'en échappe. D'accord, c'est un problème de script. Reviens ici, petit enculé. Ouais, je m'en fous en fait. Je vais tuer le capitaine de porte. Il se retire, ce con. Aïe, mon cul. Un autre capitaine de porte ici, je vais l'éliminer également. Boum! Qu'est-ce qu'on a là-dedans? De la merde. Il est parti où, le gong, là? Je crois qu'il a complètement disparu, mec. Non, il est parti là-bas. Il m'attend devant la porte du château. Ouais, donc il a pas l'air d'y avoir l'incohérence du coup. Ah, tu m'as cherché. Pendant un instant j'ai cru qu'elle allait y être quand même. Mais non en fait, c'est bon. Tout va bien. C'est juste une scène comme quoi il y a des gens qui se font écraser. Et ça s'arrête. Donc, je vais venger mes troupes. Jouons RP. Je vengerai mes hommes, Gong. Tu vas me le payer. J'ai vaincu un officier. Tu vas me le payer. Faut quand même que je garde l'accent si je veux jouer un peu. Et bah oui. J'ai vaincu un officier. Oui, c'est bon, on a compris, Sun Jian, arrête. J'ai vaincu un officier, c'est bon. Aïe. Ne restez pas derrière. Calmez avec les flèches. Putain d'archer le cul. Je vais aller me diriger. Ah. Kaimao. Je vais me diriger vers l'officier qui est au sud du château. Comme ça, j'aurai vaincu tous les officiers de la bataille et ça me fera l'XP maximum possible. Ne restez pas derrière. Je suis loin d'être derrière mon pote, mon fils. Putain de fils à la con. Faut tout leur apprendre à ces enfants. Ne restez pas derrière. Ça suffit, putain. Putain.
Putain. Ah. Voilà. Crevez, bon, salopard. Impressionnant. Mieux qu'on ne le dit. Merci. Zhonghu. Oulala. J'ai vaincu un officier. Ils tiennent bien là les gardes du corps. Ah oui, bon, en même temps, il n'y a pas eu Loubou cette fois. Ne restez pas derrière. Et je pense que, mais, que sans Loubou, franchement, la porte de Oulahou, ils auraient survécu. Hein. C'est vraiment Loubou qui les a... qui a fait la différence. Allez, il reste plus qu'à vaincre Liu Biao et on a gagné. Enfantin, cette bataille. Salut, bonhomme. Tu n'es pas un adversaire de taille pour moi. Tiens. Prévu, c'est une grosse merde. Tu n'auras pas le saut impérial. Je te l'interdis. Nous ne les laisserons pas passer. Crève. Est-ce que tout se termine là? Eh oui, tout se termine là. L'armée de Sun Jian, victorieux. C'est même pas l'armée de Sun Jian, c'est l'armée Sun Jian, quoi. Bravo. Ils ont eu la flemme de rajouter le petit 2 devant. Et voilà, Sun Jian a gagné. Il a vaincu Liu Biao. Il l'a même tué d'ailleurs. Liu Biao est mort. Liu Zhong lui succède. C'est une triste nouvelle. On peut rien y faire. Nous pauvres paysans. La terre est foutue. Les champs sont pourris, le blé est moisi, on peut rien y faire, nous pauvres paysans. Allez, on se retrouve au prochain épisode.